Pas encore. Donc lui, il a 17 ans, il marque des buts pour l'équipe de Suisse, donc il est suisse. Moi, j'ai bientôt 50 ans, je ne marque pas de but, je suis encore un peu égyptien. Le problème, il est dans la perception. Mais il y a un élément qui est très important ici. C'est que plus vous apportez quelque chose à votre pays, plus votre pays vous reconnaît comme un des leurs. Parce que quand vous n'apportez rien, on se demande toujours d'où vous venez. Mais quand vous apportez, on sait où on va ensemble. Quand vous donnez à votre pays, on va ensemble quelque part. Mais quand on n'apporte rien, on se demande toujours d'où vous venez. Donc nous, on doit être là dans qu'est-ce qu'on va apporter à ce pays? Où est-ce que c'est important? Donc on doit intellectuellement et psychologiquement passer à l'étape maintenant de la contribution. Arrêter cette idée de intégrer. Vous savez, je dis souvent, et j'ai dit ça à pratiquement tous les gouvernements que j'ai rencontrés en Europe, et j'ai dû en rencontrer pendant les dernières années à peu près 25. 25 représentants ou ministres, ou même jusqu'au plus haut degré de l'État, des gens du pays. Je l'avais même dit ici, dans ce pays-là, à M. Blocher, au moment où il était conseiller fédéral. Je lui disais la chose suivante, je lui dis, vous savez, nous, on n'est pas dans l'histoire de l'intégration. Nous, aujourd'hui, on est dans la contribution, on est suisse et on veut apporter quelque chose dans ce pays. Donc, il faut que vous changiez de lunettes. Parce qu'on a eu une rencontre à Berne et on nous dit on va parler de l'islam suisse. Et vous savez de quoi on a parlé? Les immigrés et le terrorisme. Et je suis désolé. Pourquoi vous parlez des immigrés? Je ne suis pas un immigré. Je suis chez moi. C'est comme si l'islam, c'était l'affaire de l'autre, les immigrés. Et quand on est à l'intérieur, alors c'est le terrorisme, c'est la violence. On ne nie pas qu'il y a de la violence. On ne nie pas qu'il y a des immigrés. Mais il y a un islam suisse. Et l'islam suisse, il a... Attention, parce qu'il y a certains musulmans, dès qu'ils entendent ça, disent « Qu'est-ce que tu dis, un islam suisse, ça veut dire quoi ?» Un islam suisse, c'est très clair. C'est un islam qui est islamique de principe et qui est suisse de culture. Nous n'avons aucun problème avec la culture, tant que nous sommes clairs sur le fait que nous ne changeons rien aux principes. Nous ne changeons pas les principes de l'islam. Mais la particularité de l'islam, c'est de savoir maintenir l'universalité des principes et d'additionner la diversité des cultures. Et là, ici, regardez dans cette salle, il y en a d'entre vous, ils sont suisses maintenant, avec les principes suisses, il y en a d'entre vous qui viennent de Turquie, il y en a d'autres qui viennent du Maroc, il y en a qui viennent d'Afrique du Nord, et il y en a qui sont convertis à l'islam. Vous avez tous la même religion, mais vous avez différentes cultures. Et depuis quand votre culture d'origine a fait que vous étiez moins musulman? Ça, c'est dans nos têtes. Il y a certains musulmans aujourd'hui, ici, dans cette salle, quand ils voient des Suisses se convertir à l'islam, ils n'attendent pas qu'ils deviennent musulmans, ils attendent qu'ils deviennent plus turcs ou plus arabes. Mais qui vous a dit ça? Il n'y a pas à devenir plus turc, reste suisse, mais deviens un bon musulman. Il n'y a rien dans la culture suisse qui t'empêche d'être un bon musulman. Parce qu'il n'y a rien d'idéal dans la culture turque qui te fasse être un bon musulman. Il y a beaucoup de choses dans la culture turque qui peuvent t'empêcher d'être un bon musulman. Et alors il y a des choses dans la culture marocaine qui peuvent t'empêcher d'être musulman. Je dis ça aux Marocains. Mais moi je viens d'Égypte. Et quand quelqu'un me dit, ah ben l'Égypte c'est... Oui, l'Égypte c'est Ummeddounia. Ça on est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, mais oui c'est Ummeddounia. Mais dans la culture égyptienne, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en accord avec l'islam. Toute culture doit faire l'objet de la critique par rapport à nos principes. Mais on peut prendre de toutes les cultures. Donc garde de la culture égyptienne ce qui est bon et reste fidèle aux principes. La culture suisse, tu n'as pas à la nier. Il y a des choses dans la culture suisse qui sont plus proches des principes islamiques que des choses dans la culture marocaine. Rien que notre relation à l'heure. Plus tu seras suisse avec l'heure, plus tu prieras à l'heure. Vous me suivez? Parce qu'il y en a qui sont même marocains avec l'heure de la prière. Et turcs aussi. Et il y en a qui sont juste suisses avec la prière
et il reste marocain avec tout le reste. Moi, ça m'arrive aussi. J'essaye d'être suisse avec la prière, mais avec certains rendez-vous, comme par exemple dans cette conférence, je suis encore un peu égyptien, un peu en retard. Ça, c'est notre problème, il faut se réformer. Donc on prend toutes les cultures le mieux, et on devient... Vous comprenez ça? Là, vous en riez, mais c'est vraiment la vie, ça. La vie, c'est de prendre de la culture tout ce qui est bon. En Suisse, il y a, par exemple, des éléments de politesse, des éléments de rigueur. Vous savez, quand vous entrez dans une entreprise, quand vous êtes au travail, c'est pas ici, quand on est en Suisse, quand on travaille. C'est pas, il y a Harry, tu comprends. Il n'y a pas de, il y a Harry, tu comprends, tu travailles. On fait la différence entre la fraternité et puis le travail. Nous, avec notre mentalité orientale, c'est ya akhi, ya inshallah bukra, de maintenant. Il faut prendre de ça. Il faudrait exporter dans nos pays d'origine un peu de la rigueur culturelle. C'est comme ça qu'on devient riche. Les cultures nous enseignent. Et moi qui suis né dans ce pays, la culture suisse m'a appris une rigueur intellectuelle, même une rigueur de pensée, que parfois... On a dans la culture orientale, on parle beaucoup, mais on n'est pas structuré. Et le fait de la structure intellectuelle, en fait, la culture suisse m'a fait redécouvrir les fondements d'une culture arabe qui était structurée, mais qui a perdu de sa confiance. Vous voyez comment mon expérience historique m'a fait revenir à des principes où j'ai mieux compris. Et c'est comme ça qu'on devient riche. Ça m'a apporté énormément. Je vous le dis, en tant que musulman né en Suisse, la culture suisse m'a énormément apporté pour être un meilleur musulman. Vous m'entendez? Mais c'est vrai ça! C'est une réalité de ma vie. Ça m'a apporté énormément parce que j'ai été confronté à des questions, à des habitudes, à des attitudes, à un enseignement, à l'école, à une diversité. Donc, oh, asa an taqrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous ayez un sentiment que c'est pas bien, et finalement c'est bon pour vous. Parce qu'on ne fait pas sa vie à coup de sentiments. On fait sa vie à coup de principes et de décisions. Et quand on assume ses décisions, on peut changer de sentiment. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on se laisse aller aux sentiments, on sera toujours dans le mal-être. Et ça, c'est là maintenant on va rentrer dans la participation, et je vais aller vers la deuxième partie, la conclusion de mon intervention. Parce que quand on assume sa religion, il y a deux choses qu'il faut maintenant éviter. Et là, on va rentrer dans la participation. Deux choses sur lesquelles j'insiste. La première des choses, qui est vraiment, quand on s'assume et qu'on comprend les défis, il faut cesser de nourrir un sentiment de victime. Et le sentiment de victime, c'est quand on est venu du Maroc, ou quand on est venu d'Algérie, ou quand on est venu d'Afrique du Nord, ou quand on est venu de Turquie, ou quand on est venu de l'Europe de l'Est, ou quand on est venu d'un autre pays, c'est de toujours, toujours penser que de là où on était venu, c'est meilleur qu'ici. Et de rester dans un sentiment de mal-être. Vous savez, la psychologie aujourd'hui nous enseigne une chose. Quand vous êtes un papa et quand vous êtes une maman et que vous êtes en train d'éduquer votre enfant, il y a énormément de choses qui passent dans votre enfant qui n'est pas passé par votre bouche. Votre enfant sent ce que vous ne dites pas. Et si vous êtes tout le temps en train d'entretenir un mal-être par rapport à la société, ça sentira dans les enfants. Votre enfant sent vos mal-être. Et à un moment donné, il faut cesser de toujours penser « Au Maroc, c'était mieux. En Turquie, c'était mieux. » Peut-être que c'était mieux, mais maintenant, il faut prendre la décision de vivre ici. Il faut arrêter d'avoir le cœur là-bas et le corps ici. Il faut réconcilier le corps et le cœur. Ici, c'est là où tu dois vivre. Donc d'abord, ça veut dire s'assumer. Assumer la décision qu'on a prise, qu'on sera ici. Ça, c'est un. Et la deuxième des choses, lutter contre le sentiment de victime. Parce que moi, j'ai rencontré des Suisses, et j'ai rencontré des Français, j'ai rencontré des Allemands. Ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas l'islam. Et on n'arrête pas de se plaindre. Ça, cette mentalité-là, elle ne permet rien de faire. Elle produit des musulmans passifs et victimes. Mais nous, on le sait depuis le début. La vie, c'est une épreuve, et vivre en Suisse comme vivre même au Maroc d'où je viens, c'est une épreuve. Et les épreuves, on ne s'assied pas en disant « c'est une épreuve ». On se lève et on travaille.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ça c'est ce que nous dit le Coran. Il a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve. Donc pour savoir comment vous allez agir. En fait, l'épreuve, elle est là pour savoir comment vous allez agir, pas comment vous allez réagir et vous plaindre. Nous ne devons pas être des citoyens de la plainte. Nous devons être des citoyens de l'action et de la participation. Donc, premier sentiment, c'est d'essayer de lutter contre ce sentiment de victime. Parce que vous savez ce que font l'UDC aujourd'hui et les partis populistes, Geert Wilders en Hollande, l'extrême droite. Vous avez entendu ce qu'a dit Marine Le Pen, l'extrême droite française, qui dit « les musulmans prient maintenant dans la rue et colonisent notre pays comme les nazis ont colonisé notre pays ». C'est grave, cette idée que... Et qu'est-ce que c'est tout ce discours? Ce discours, c'est exactement un discours de victime. Les populistes, l'extrême droite, gagnent du terrain en Europe en travaillant sur le sentiment de victime. Nous sommes les victimes des musulmans. Les musulmans sont en train de coloniser le pays. On est dans un univers de victimes. Tout le monde est victime de l'autre. Rappelez-vous George Bush, après le 11 septembre, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes les victimes de ces terroristes. Il ne parle pas de la politique américaine, nous sommes les victimes. Alors il faut condamner ce qui s'est passé dans le 11 septembre, mais on ne peut pas tout le temps jouer aux victimes. Il faut à un moment donné assumer aussi ses décisions. Et vous, ici en tant que citoyen de confession, citoyen suisse de confession musulmane, il ne faut pas du tout accepter d'être une victime. Il faut savoir que ce sont des épreuves, il faut se réveiller, et il faut s'engager, il faut participer. Ça c'est un. La deuxième des choses, c'est qu'on veut toujours vous dire, vous les musulmans, vous êtes à la marge. Vous êtes des minoritaires. Alors attention, en termes de nombre, nous sommes minoritaires. C'est vrai, la religion musulmane, c'est une minorité de Suisse. Très bien. Mais nous, on n'est pas là en train de compter le nombre de Suisses. Ce qui nous intéresse, ce sont les valeurs que l'on défend. Et les valeurs que nous défendons, elles ne sont pas du tout minoritaires. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, s'occuper de la solidarité sociale, s'occuper de justice, s'occuper de la dignité, reconnaître la culture, travailler dans la société, si vous savez parler de ça et le montrer, c'est majoritaire dans ce pays. Si nous savons parler des vraies valeurs, nous sommes dans la majorité des principes. Mais nous, on n'ose pas parler. On dit ça dans nos mosquées, on dit ça entre nous, on dit « ils ne nous aiment pas, on parle entre nous ». Mais non, il faut sortir, il faut parler de ça, il faut montrer quels sont nos principes. Nous sommes pour la dignité, nous sommes là pour la dignité, nous sommes pour la justice, nous sommes pour l'égalité. Nous sommes, nous musulmans, pour que quand une femme travaille et qu'elle a les mêmes compétences qu'un homme, elle soit payée avec le même salaire. Parce que rien ne peut justifier qu'une femme avec les mêmes compétences et le même bagage elle soit payée 15%, 30% de moins qu'un homme. Ou alors montrez-moi le hadith ou montrez-moi le verset. Il n'y en a pas. Et pourquoi on n'est pas là dans ce discours? Pourquoi on ne vient pas avec ce qui est? Non, nous, on accepte d'être mis à la marge. Et des gens, ils nous disent, votre foulard, votre tenue vestimentaire. Et nous, on dit, notre foulard, notre tenue vestimentaire. Ils nous ont mis dans un coin, on a accepté d'être dans un coin. Vous savez, c'est comme un match de boxe, ou c'est comme les jeux d'échecs. Quand quelqu'un a décidé que les règles du jeu, il vous les imposait, il vous met dans un coin, eh bien, vous avez accepté d'entrer dans un coin, c'est lui qui fait les règles du jeu. Et les partis populistes, c'est exactement ce qu'ils font. Ils vous déterminent un sujet, ils vous font une liste. Moi, ça fait 25 ans que je travaille en Europe. Maintenant, je peux vous dire la liste. On va vous poser la question sur le foulard. On va vous poser la question sur l'homosexualité. On va vous poser la question sur la violence. On va vous poser la question sur la dictature. On va vous poser la question sur la... Il y a toute une liste. Et pour être un musulman light, il faut avoir une réponse à toutes ces questions. Mais il faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter d'être soumis à un interrogatoire de police.